Hello tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui c'est l'épisode 19. On n'a pas attendu 2 ans cette fois-ci pour en tourner un autre, donc je suis vraiment content, c'est pour ça que je suis motivé, puisque ça vous a plu que je reprenne cette aventure. C'est vrai que j'avais un petit peu peur plus de 2 ans après, mais je suis content, ça vous a plu et moi ça m'a fait extrêmement plaisir de retourner sur le jeu. Et aujourd'hui, rat de bibliothèque, d'accord. Ça commence fort, on perd pas de temps, on va faire une chute, merci. C'est super. Faut se dépêcher pour pas se faire encore troller comme dans l'épisode 18 avec le surveillant qui nous avait fait complètement foirer la mission où j'avais dû recommencer avec la danse du taureau. Mais c'est vrai que je suis motivé. Attendez. Ah, il y en a une autre qui est apparue. En fonction des horaires, rat de bibliothèque pour vous. D'accord, non, on va faire celle-ci. Elle ne devrait pas être très loin. Ouais, elle est juste à côté. On va avancer tranquillement. On n'est pas encore au niveau de l'hôpital psychiatrique comme je vous l'avais dit. Comme je vous l'avais dit, on a encore un peu de route, finalement. D'accord, il y a tout le monde qui veut se battre. Non, laisse-moi tranquille. Oui, laissez-moi. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'avaient demandé... Non, je me suis bourré de touche. Il y en a qui m'ont demandé... Et non, j'ai attendu. Il y en a qui m'avaient demandé, même à l'époque déjà, personnellement, de quel groupe je faisais plutôt partie, puisque c'est quand même des... Attendez, je vous dirai après. C'est toujours notre faute. What are you guys talking about? The library is full of rats! And I got my pre-med test next week, amigo! You're such a lame-o! Some king you turned out to be! Oh, how I long for the old days! Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone, but at least you could study without fear of rodents coming near us! Get off! Did you piss yourself again, Algie? No, I swear. Algie. I spilled soda on myself. Soda? Right. What a bunch of sissies. Well, I'm not afraid of a few rats. Jeez, pathetic. Comme ça, vous avez une excuse si vous faites pipi sur vous. C'est mon soda. En plus, c'est celui qui avait la broyette ouverte. Ouais, il y en a qui me demandaient les rats de la bibliothèque. Oh punaise, il y en a plein. D'un côté, tant mieux, parce que ça va me permettre de réutiliser un peu les armes du jeu, puisque ça fait longtemps. Les saletés partout, c'est répugnant. Et il y a l'autre, il mange son ami mort. Regardez, ils viennent tous là. Allez, venez, venez les petits. Ah, d'accord, après, ils se transforment en rat cramé. Ah, vu qu'il y a les gros stéréotypes, les gros clichés. Bonjour, madame, je suis le dératisateur. D'accord, il est où le livre? De toute manière, c'est indiqué sur la carte en haut. Mais je crois qu'il y avait un moyen de les loquer automatiquement. Quoi? Il m'a attaqué? Il m'a fait mal? Ah, faut que je me dépêche! Attendez, j'ai pas le lance-pierre. Normalement, ça le lock auto. Ah, c'est bon, il est mort. Il est mort, le rat. Il m'en reste... Ah, il m'en reste pas mal encore, faut que je me dépêche. Ouais, je vais terminer ce que j'étais en train de dire. Beaucoup me demandaient vers quel groupe je m'étais plutôt orienté à l'école. Vu que là, il y a les caricatures, les blousons noirs, les... Ceux que vous avez vus, les intellos, il y a tous les groupes. Moi, personnellement, j'en avais pas trop. J'étais plutôt le mec classique qui... Attendez, il m'en reste deux. C'était pas le meilleur moment, là, je suis en train de tuer des rats. Je sais pas si vous le voyez, mais faut que je me concentre, c'est très important. Il est où, madame? Le dernier. C'est pire que les élèves, ah ouais. Il doit être en haut, ça doit être le boss des rats. Moi, personnellement, je faisais pas véritablement partie de groupe, je m'entendais plutôt... Non, il est en bas. Je m'entendais plutôt bien. Ah, il y a un élastique. Avec tout le monde, puisque. Je pars du principe, et c'est toujours comme ça, c'est que. Je parle pas sur le dos des gens. Et si vous ne parlez pas sur le dos des gens, généralement, les gens font la même chose sur vous. Et donc, moi, je m'entendais plutôt bien avec tout le monde. Et. Aucun respect pour ma chère bibliothèque. Voilà. Ça fait 2000$, madame. The rats appeared once those books were delivered. Seems to be fine, miss. Ça semble suspect. Thank you, Jimmy. If you have any late fees, I think we can just forget about them. Je suis pas sûr que j'ai tué tous les rats. I mean, thank you, miss. Je sais pas si vous avez vu sa tête, mais je crois qu'il reste quelques rats. Ouais, les Firewall. Non, ouais, j'avais pas de groupe particulier. Si vous en avez, bah, n'hésitez pas à partager votre vie passée ou votre vie actuelle. Non, mais arrêtez de vouloir me taper. Ouais, non, moi j'en faisais pas partie, je sais pas, c'est... Peut-être que j'en faisais partie sans le savoir, je sais pas si vous demandez un faillot. Est-ce que t'as un faillot?
S'il y a un faillot dans votre classe, vous lui demandez, est-ce que t'as un faillot? Il va faire, non, moi je suis un bad boy. Voilà. C'est dur de juger soi-même, mais a priori, non. C'est bizarre, ils ont pas fait les... Moi, je me souviens quand... Coucou, toi. Non, non, mais laisse-moi tranquille. Il y a un enfant bizarre. Il y avait... Où est Johnny? Ouais, c'est ça qu'on va faire. Ou alors, on va faire celle-là. Ouais, on va faire celle-là. Il y avait les... Moi, dans mon école, il y avait aussi les skateurs et plein d'autres comme ça. Là, qu'ils ont pas... présenté dans ce jeu. J'ai fait le grand tour, je crois. J'ai fait le grand tour. Voilà, c'était pour répondre à votre question. Je sais que ma réponse ne vous a pas beaucoup avancé. Mais vu que ça intéressait... Ah si, j'étais peut-être le gamer. Ou vomisseur comme lui, professionnel. Non, gamer, la plupart des... Enfin non, pas tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Enfin bref, voilà. J'ai répondu à votre question totalement de façon ratée. Attendez, j'ai fait mon café, je vais encore le boire froid. Alors, ma foi, c'est pas mauvais. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, je viens pas pour faire un cours. Hé hé. Coucou. Je fais ce que je veux, je suis pas poursuivi. Pour vous, mademoiselle Phillips. Philippe. Phillips. Philippe. Phillips. Jimmy, you've interrupted me. Oh. Sorry. Don't worry about it. C'est pas elle qui sortait avec le professeur. Sure. Je sais plus. Non, avec le directeur ou un truc comme ça. I think I have finally caught the essence of what it means to be a banana. I really feel my work is moving forward. Here's the thing. Art is lost on me. I've always been more into music. You know, having thoughts for another really makes your work glow. D'accord, une banane. When people do things, incredible things, when people blossom and grow, that really moves me. You know what I mean? Not really. I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? Banana. A dress, some perfume. Ah non. My pearl necklace from the jeweler is not too much. L'autre, il est pas discret avec sa tête toute tordue. Tonight? Wow. Of course. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you do? Il pense en fait, il pense qu'elle veut sortir avec lui. Hurry. Il s'est complètement gouré. Ouais, elle veut sortir avec un autre professeur, je crois, et Jimmy pense que c'est pour lui. Pense que c'est avec lui plutôt. Et nous, je crois qu'on va devoir la défendre lors de son rendez-vous, un truc dans le genre. J'aimerais bien changer de coupe de cheveux. Et aussi de vêtements. Et aussi des chargements plus rapides. Si tu m'entends, la Xbox, dépêche-toi. Je veux pas te presser. Allez chercher. Ouah, faut se dépêcher. Vite. Vite. J'ai pas le temps. Alors, dans quel ordre on va faire? Droite. Attendez. Oui. Au final, ça va revenir au même. On s'en vous, poussez-vous, laissez-moi passer. Je veux ce vélo, dégage. Non, je voulais pas faire ça. Je veux juste ton vélo de course. Oh, non, cours, allez. Mais non, mais... Attendez. Ouais, il faut que j'appuie plein de fois, mais alors, qu'est-ce que tu faisais? Quel temps merveilleux. Quel temps somptueux. Celui-là, regardez, juste pour ceux qui veulent voir. Ah si, j'avais des souvenirs qu'on sautait beaucoup moins haut. Parce que c'est vrai que c'est avec le BMX qu'on sort logiquement le plus haut. Allez, Jimmy. Open the door. Qu'est-ce qu'on va chercher? J'ai pas vu ce que c'était la boutique. Hello, moi je prends ça. Voilà, c'est la robe. Robe rouge. Oh. Est-ce qu'on se change? Pas le temps. J'ai une mission à faire. Elles sont un peu trop courtes, la jupe, madame, en vitrine. Allez. C'est là que le chargeur, enfin le chronomètre se découle lors des temps de chargement. Raté, raté, on tente ta chance plus vite. Oh, quel temps pourri. Il pleut, il fait nuit. C'est pas moi, je vous dis, c'est le vélo. Il me faut... Dégage.
J'ai la police aux trousses. Comment je me retourne? Ouais, c'est le pad de gauche. Et pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu, vu que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dessus, non, on peut pas conduire les voitures, on peut conduire un scooter. Et on peut conduire... Il y a une personne qui me l'a dit dans les commentaires, j'avais le vague souvenir, on peut conduire si on fait toutes les missions de course, je crois. On peut... Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer? Oui. On peut conduire un karting. Ou alors toutes les missions... Là, regardez. Le seul endroit qui est fluide du jeu... Ah. Mais par contre, là, j'en profite. Alors... C'est moi, je vois pas de... Ah, faut attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. C'est vrai que maintenant, dans les jeux, c'est instantané quand on fait le truc. Y a pas la boule à zéro? C'est quoi, ça? Ah, c'est la couleur. Bon, pas le temps. Voilà, j'achète. Ça fera une autre coupe de cheveux. Et hop, on sort. Profitez de cette fluidité pour vos yeux. Je crois que je vais être attendu dehors. Soit je prends le vélo, soit j'y vais à pied. Allez! Hello! Non! Non! Allô? Mon vélo, il est là. Il y a un autre vélo ici au cas où. Bon, je vais le prendre. Youhou! Parce que celui-là... Yeah. Et voilà. Non, en fait, j'appuie sur LT pour freiner alors que... C'est pour donner les coups de poing à gauche et RT pour les donner les coups de poing à droite. Bonjour, je prends ça. Merci, au revoir. Ils vendent les mêmes vêtements partout. J'avais un membre BMX, mais je crois qu'on a largement le temps en fait, vu que je vois que... Je crois que c'était les trois quarts du temps qui nous restait. Mais on sait jamais, des fois ces missions, il y a des imprévus. Le vélo! Des fois, il y a des imprévus. Pour qu'ils nous laissent autant de temps. Yeah! Ah, oh. Pour qu'il nous laisse autant de temps, ça me paraît bizarre. Yeah! Headshot! Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. C'est pas moi, monsieur l'agent, c'est le vélo qui a voulu faire ça. On va se grouiller. Tiens, je vais essayer de le refaire. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire en plus dans GTA. Wouhou! Non, je suis poursuivi! C'est pas vrai, depuis quand? Eh! Il me rattrape! Oh! C'est quoi cet enfoiré? Il a fait mon vélo! Mais laissez-moi tranquille! Depuis quand une moto ça va plus vite qu'un vélo? Oh, allez! Non! J'aurais pas dû faire l'idiot. Bon, c'est pas grave. Le seul truc c'est que dans le jeu il faut tout recommencer depuis le début. Voilà. Oh non! Bon, on va faire dodo et on va refaire la mission. L'autre il m'a foncé. En fait, la caméra elle s'est carrément soulevée. Il m'est rentré dedans. Il en a eu rien à faire. Bon, bah, on va faire celle-là, on fera plus tard celle de... Vu qu'elle est plus disponible, je crois qu'il faut attendre 9h, un truc comme ça, que l'école s'ouvre ou je sais plus. Donc on va faire l'autre. Tant pis. Ça sera pour tout à l'heure. Ou alors je vous passerai à ce moment-là les détails. Bon, on va faire celle-là. Allez. Hello, c'est une nouvelle journée qui commence. Au moins il fait beau. Normalement, il y a toujours un vélo ici. Non, tant pis. Allez. Hi-ha! Accélère! Plus vite! Ça doit pas être agréable les pots d'échappement comme ça dans la tronche. Coucou monsieur! Oula, il accélère. Allez, tourne à droite, tourne à droite. Ah, c'est nul. J'allais dire que c'est mieux que le taxi, mais... En fait, non. Alors... raté! Dommage, parce que la musique, elle est pas mal. Où est Johnny, Vincent? On l'avait pas faite, celle-là? Je me rappelle, je crois. I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. C'est pas vrai. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know.
Nobody's seen him. He got a little broken-hearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, hey. I'll get your boy back, all right? See you later, freaks. Ils sont pas sympas, les gens. Ils sont tous en train de m'engueuler. Les faillots et tout. Bon, bah. C'est l'heure d'aller à l'asile. Je sais pas si je peux passer par la voie de chemin de fer. En plus, on peut y aller rapidement par l'école, comme vous le voyez. Le chemin devait être bloqué auparavant. Et maintenant, c'est disponible. Il me faudrait un vélo, s'il vous plaît. Bon bah on va aller à l'asile. Je pensais que c'était un petit peu plus tard, mais non. Hé ! Coucou ! Donne-moi ton vélo. Merci, ça marche comme ça. Excellent. Oh, il y en avait un autre juste à côté. Celui-là, est-ce qu'il saute haut alors ? Pardon, monsieur le clochard. Oh ! Malgré votre âge plutôt avancé, vous êtes encore souple, monsieur le clochard. Et non, c'est bon, c'est pas grave. Donc là, je crois que ça fait... On n'y était pas allé durant les autres épisodes. Je crois qu'on vient de découvrir cet endroit. Je me souviens plus, vu que ça fait plus de 2 ans. Et moi, ça fait sacrément longtemps que je n'y suis pas allé. C'est quoi le B? Ah, c'est le bus. C'est le bus et nous allons à l'asile. C'était pas ma zone préférée hein, du jeu. Je trouvais pas que c'était la plus belle. Un truc plutôt industriel et tout. Alors... Il y a pas mal de clipping. C'est dingue ça. Parce qu'ils avaient pas réussi à l'optimiser sur PC aussi. J'ai jamais essayé sur PC, mais d'après ce que racontait tout le monde, enfin tous ceux qui l'avaient sur PC, c'était très mal optimisé apparemment. Et c'est vrai que là sur 360, ils auraient pu faire un truc un peu. Il faut savoir c'était sur PS2, ils l'ont ressorti par la suite, une sorte de remaster. Alors, comment je rentre? Absentéisme. Non, c'est pas vrai. Ça, on pouvait pas le casser. Attendez. Je crois qu'on pouvait le casser et après ramasser du bois pour se battre. Eh ben non. On va t'embêter. Nous allons nous introduire discrètement. Oh, regardez-moi cette cascade qui fait ralentir le jeu. C'est sublime. Bon, je troll, hein. Mais bon, je troll parce que c'est un jeu que j'adore, donc j'ai le droit. Alors, comment est-ce que je rentre? Oh, ah mince, il y avait une croix juste ici. Ah, avec l'arbre, c'est ça, tu veux que je rentre? Ok. Youp. Bon, bah le passage dont je vous parle à chaque fois est enfin... Ou malheureusement arrivé, parce que c'est un passage où j'ai pas forcément des bons souvenirs. Comment on se met accroupi? Attendez. Ah, faut que j'avance doucement avec le pad. D'accord. Ouais, en fait, c'est le stick droit pour se mettre accroupi. Et maintenant, place à l'infiltration. Et là, c'est pas la peine d'essayer de se battre, vu que c'est des adultes. Dès qu'ils vous chopent, c'est game over. Et là, comment je vais faire? Vite. Allez. S'il se retourne, c'est cuit. Ouh. Infiltration réussie dans l'asile. Est-ce qu'on en sortira un jour? Les infirmiers aient trouvé... Ok. Ça, c'est... Éviter. Oui, c'est bon, on a compris. Ça me fait penser aux intérieurs. À un jeu Rockstar également. Qui est... Excusez-moi de la prononciation, mais c'était Manhunt, un truc dans le genre. Et d'ailleurs, ils en ont pas refait depuis. C'était un jeu plutôt sombre, c'était pas forcément un open world, mais c'était dans des univers glauques, où il y avait plusieurs façons de tuer les ennemis de façon bien macabre. Et là, ça rappelle un peu ça, c'était sur PS2. Oh, j'ai entendu une perceuse. Vincent! Est-ce que t'es là, Vincent? Réponds-moi, Vincent!
pas de Vincent. Ah bah la croix elle est indiquée, d'accord. Ça va nous faciliter. Non, il tourne tout seul. Je peux pas zoomer plus. Ok. Bon. Est-ce que tu viens par... Comment je vais faire? En fait, faut vraiment suivre son tracé. Ouais, il vient par là. Allez, tourne! Il y a toujours ce bug quand vous déplacez la caméra, il va pas dans la direction du pad de gauche, en fait. Il suit la caméra. C'est un des seuls jeux que j'ai vu au monde qui faisait ça. Et c'est assez dérangeant. Oh oh. En fait, là, je joue. Je regarde pas une seule fois le jeu, je regarde que la mini-carte. C'est pas un asile, c'est une prison, ce truc. Hello. Bonjour, monsieur. Votre télé, elle est éteinte. Quoi? Ah, je pensais que j'allais passer en dessous. Ah, s'ils me ressortent carrément de l'asile. Non, pas en dehors de l'asile, vu le temps de chargement qui est long. Non! Ok. J'ai pas dit mon dernier mot. Allez, on est de retour dedans. J'ai fait un petit essai. J'essaie de tirer à l'extérieur au lance-pierre, mais le mec... Il m'a mis tout de suite à l'extérieur, donc c'est pas la peine de tirer dessus. Faut que je trouve juste une solution pour passer sans que l'autre me repère. Il ouvrait avec des pieds tout à l'heure. Attendez, je vais remettre mes... Non! 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 Ah! Punaise, j'ai eu chaud là. Il arrive derrière moi. Ça va, son champ de vision, c'est le truc vert. C'est pas très grand, c'est pas un sniper. Ok, mais il y en avait deux tout à l'heure là, non? Ou alors je confonds de salle. Ok. Comment on va faire? Parce que moi je pensais en fait, on ouvre la porte. Regardez, il n'y a pas le canapé qui est apparu encore, le mec qui vole. Voilà, canapé. Je pensais qu'en ouvrant la porte, je pouvais passer comme juste avant. En dessous, que je... ne pas être visible. Faut peut-être que j'attende qu'il tourne son regard à droite et y aller. J'ai pas d'autre solution. Hein. Yop. Je vais attendre qu'il regarde à gauche et je vais me faufiler en bas. Maintenant. Oh. Autant vous dire que là, je suis en stress total. Oh, oh, ça arrive sur la droite, non. Employee only, vite. Employee only, non. Je pensais que c'est un truc pour se cacher comme dans... Non. Je suis désolé, je suis en stress. Je pensais que c'était un truc pour se cacher comme... les casiers, en fait. Oh, oh, là, s'il ouvre la porte, l'autre... Non, n'ouvre pas la porte. Ouh. Mais pourquoi je... Non, il doit y avoir un truc à récupérer secret ici, mais je m'en fous. Tu le gardes, ton truc secret. Allez, déplace-toi. Non, non, non. Non, non. Dégage. Tant d'intensité. Vite. C'est ma seule solution. Je peux me cacher là-dedans, normalement, je pense. Mais bon. Il est juste ici. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a encore l'autre mec qui est ignoble. Ah non, ça va. Vite! Dites-moi qu'il y a un checkpoint. Mais tu crois que je suis là pourquoi? Oh oh. C'est pas fini. Ah donc il faut que j'aille là-bas. Ok. Ouh. C'est chaud. Je suis désolé. Enfin, je suis pas désolé, mais... Un petit peu, mais là je suis trop à fond dedans pour m'exprimer correctement. Parce que là si je rate, et je vais m'habiller en infirmier, le truc c'est... Je suis un enfant de 15 ans habillé en infirmier, mais c'est normal. Ah. Wow. Parce que des fois, dans les jeux d'infiltration, ils peuvent se retourner à tout moment. Ou juste, ils bougent un petit peu la tête de gauche à droite comme ça, et là il peut regarder un petit peu sur la droite. Vous l'avez vu, le champ de vision qui se décale légèrement. Mais ça peut être fatal. Et j'ai pas envie que ça soit fatal. Parce que ça, je le recommencerai pas. Vous voyez le truc du taureau, je vous ai dit que c'était un truc que je m'en...
que je m'en souvenais pas. C'était pas très marrant. Alors que ça, je m'en souviens. Parler aux gardes dans la salle de contrôle. Donc c'est bon, là, je suis libre. Oh. Coucou, je suis comme toi. Je suis un mec qui tourne en rond. Dans les douches. Bizarre. Ah, je me sens mieux déjà. Coucou. Et... Yeah. Coup de tête. Ah non, c'est pas un coup de tête. Je pensais que c'était un coup de tête qui donnait. Ouh, je suis content, je suis un infirmier. You want your break? Man, this is so boring. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Allez, sors. Vas-y, je te laisse sortir, monsieur. Apparemment, il est parti à fond. Open the door. Y a pas un truc secret à ramasser ici? Non. Ramasse. Johnny, aidez Johnny à... D'accord. Oula. D'accord, on a libéré tous les fous. Je pensais qu'on aurait peut-être libéré... Enfin, je m'en doutais qu'on allait libérer tout le monde, mais je me suis dit peut-être qu'il y aura que sa cellule. Et c'est le seul qui soit habillé en... En blue... Ah, on va peut-être pouvoir passer par là. C'est le seul habillé en blouson noir, en fait. Il n'a pas la tenue comme... Enfin, j'ai pas vu si les autres avaient une tenue spécifique, mais... Viens vite. On n'a pas de temps à perdre. Ah ah. Papa, dégage. Alors, c'est pas... Non, j'ai cru que c'était la sortie. On va passer par là. Ouais. Et go. Oui. On est libre. Enfin, pas tout à fait. Maintenant, on est à l'extérieur. Et imaginez, là, je me fais rattraper. Et que je suis obligé de recommencer tout depuis le début. Je pense pas, quand même. Parce que déjà, si dans cette vidéo, on a raté celle avec Madame... Mademoiselle Phillips... Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyways, I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. All right, Johnny. Have fun. Salut, Johnny. On récupère petit à petit le respect. Il y a encore mon vélo. Eh, ah non, lui, c'est une mission que tu veux me donner, c'est ça? Salut. En plus, on s'en fout de ta mission. Nous, on s'en va, on va faire. C'est où ça? Ah, il y en a une juste ici. On va faire demi-tour. Yeah. Donc ça c'est le raccourci. Je crois qu'il y avait, on avait fait une course ici ensemble déjà. Je vais pas me tromper, mais je crois qu'on avait fait une course ici. Ouais bah ça y est, une bonne chose de faite. Mes souvenirs. Mes souvenirs ont quelque chose, je sais pas ce que je voulais dire. Non, non. En plus, ici, ouais, c'est tellement industriel qu'il n'y a aucun piéton, il n'y a aucune vie, juste des voitures qui errent telles des fantômes dans un univers perdu parallèle. Yop, dégage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Vengeance contre Burton. Il m'a fait peur. Non, ça va, c'était une autre mission. C'est vrai que maintenant j'ai peur à chaque fois. Vengeance contre Burton. What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Okay. On croise comme ça des inconnus dans la rue. Moi ça m'arrive tous les jours, je vais au supermarché, je croise quelqu'un, viens, on va tuer notre ancien professeur. D'accord. Alors on va pas le tuer, mais on la connaît pas. C'est ça les jeux vidéo. Yeah. Ah. Hello. Bonjour monsieur. Je cherche un moyen de partir d'ici. Yeah. Ouais, on va aller faire ça.
On va aller lui donner une bonne leçon à ce pervers. Non. Pas mal. On peut jamais tomber, je crois. Parce que là, je suis à fond. Jimmy, il est balèze. Je retire ce que j'ai dit. Il est pas si balèze que ça. Alors, petit raccourci. Je fais plus vite que toi, papy. Où c'est que c'est, alors? Est-ce que ça semble... Ah non, c'est de l'autre côté. C'est dans une autre parcelle de ville. Ça semble juste à côté. Mais finalement, c'est plus loin que ce que l'on imaginait. Let's go! Je sais pas si on peut leur prendre leur scooter à eux comme ça. Parce que les scooters, on peut les récupérer. C'est derrière. Je sais pas si on peut les récupérer sur les gens, je m'en rappelle plus. Ok. Pardon, laissez-moi passer. Mon vélo. Attendez. Non, attends. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, je trouve. Juste de mettre le pad, il tourne sur lui-même. On n'a pas besoin d'avancer un peu pour qu'il tourne sur place. Je crois que dans GTA V, on est... Je crois pas qu'on puisse le tourner sur place. Je me rappelle pas. Faudrait que j'essaye tout à l'heure. Ça sera mon expérience du jour. Traverse pas en dehors des clous. J'hésitais à le dire parce que je me suis dit, bon, il y a peut-être du clipping de passage. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça fait deux fois de suite. Il respecte pas mon autorité. Ouais, je me suis dit, il y a peut-être du clipping. Dégage! Wouhou! Oh punaise! Je voulais pas aller en bas. Il s'en fout. J'ai cassé sa voiture, c'est normal. Non, saute pas! Voilà, c'est ici les toilettes, ouais, c'est ici. Coucou! T'as été plus rapide que moi. Ouais. Ouais, je dis. J'ai dit ouais. C'est vrai que c'est un peu... Les animations ont sacrément vieilli. D'accord. On va s'éclater. Faut que je casse les autres toilettes. Elle me suit? Ah non, il reste. Il faut casser toutes les toilettes du parc. Ah, il est en train de courir, regardez. Je crois que c'est lui. Hein. Alors, comment est-ce qu'on les casse? On va donner un coup de tête dedans. Ouais, d'accord, j'ai sauté dessus. Mais non, les toilettes! Prends ça, les toilettes! Tu l'as mérité. Et à l'autre, j'espère que ça fait rien s'il nous voit. Coucou. Coup de tête! Coup d'épaule. Ah ouais, en fait, ouais, c'est ça. Faut pas que je tape devant lui parce qu'il a son drone d'activer. Vite, les dernières. Go! Cassage de toilettes! Pousse-toi le chien. Oh, il y a un chien. Il va m'attaquer, je suis sûr. Ah, laisse-moi tranquille. Tu vas connaître un truc que tu ne connais pas, le chien. Laisse-moi. Maman. Heureusement que tout le monde court à la même vitesse dans le jeu. C'est le slalom. Je crois qu'on avait tondu la pelouse ici. C'est le slalom et tu connais pas la technique de ça. Voilà, des scripts. En fait, il court pour aller aux toilettes, il fait pas son jogging. Wow. Ouais, en fait, il doit pas faire son jogging, il doit juste courir pour chercher des toilettes. Oh. Ça lui fait des cheveux comme ça. Bon appétit. C'est là que je suis content que ça soit un vieux jeu. C'est là que je suis content que ça soit un vieux jeu et graphiquement c'est vieilli. Parce que si maintenant on avait des graphismes aussi détaillés et on avait une scène dans ce genre, je plains les... Non ! Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il allait me taper. Si on avait des scènes comme ça avec des graphismes actuels,
Je plains les développeurs de réaliser des graphismes comme ça. Enfin, de faire cette scène comme ça. Voilà. Alors. Non, nous on va pas faire. Yeah, j'ai plein de missions annexes. Vandalisme anti-bourge. Ok. Faut peut-être que j'aille faire dodo. Je suis où? Je suis là. Ma maison. Ma maison. La plus proche, c'est celle qui est sur la plage. Donc, à savoir tout droit. On va aller dormir, sauvegarder. Je peux pas klaxonner. Ah, il y en a une autre qui s'est activée. Ah, il y en a. Ah, il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a qui sont faisables que de nuit. Ah, bah non, on va. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? On va aller faire celle qui s'est activée. Puisqu'il y a des missions que de nuit. Donc, on fera dodo et on sauvegardera après. On aura bien avancé en tout cas. Je veux pas dire, mais. Je crois que je vais plus vite comme ça. Mais j'aime bien conduire les BMX. Ouais, alors, t'es où? Quoi? Elle a disparu! Mais les deux autres, elles sont tout là-bas! Bon, bah, je vais dormir puisque c'est comme ça. Elle a disparu sous mes yeux! Oh, les enfoirés! J'étais prêt à faire la mission. Ils ont fait une main. Yeah. Et on l'a pas. Elle est pas. Ouais, j'avais pas vu. C'est des messieurs, ils se donnent la main. Ouais, j'avais pas vu. On n'a pas revu la mission avec Philippe. Phillips. Peut-être qu'elle sera disponible que le lendemain. C'était comment le nom du film? Bon, je sais plus pourquoi je parle de ça en plus. Ça a aucun rapport. Ça a aucun rapport. Vu que je me rappelle pas du titre, autant ne pas en faire allusion. Une journée sans fin, ou un truc comme ça. Ça n'a aucun rapport, je vous avais dit. C'était avec le mec, je me rappelle plus du nom de l'acteur, qui joue dans Ghostbusters et qui vit tous les jours la même journée. En fait, il se couche, et quand il se réveille, c'est toujours la journée de la marmotte. C'est un vieux film, hein, je l'avais vu plusieurs fois. Le mec, il se couche le soir, et le lendemain, quand il se réveille, il revit la même journée où il fait la présentation de la marmotte qui sort pour annoncer l'hiver, je crois. Et le mec, en fait, même si il va se coucher, il se réveille, ça sera la même journée, mais si, par exemple, il se suicide, il saute d'un immeuble, il meurt, et il se réveillera. Aïe. Et après, donc, du coup, bah, il fait n'importe quoi, je crois qu'il tue des gens. Ou... Il s'en fout, puisque le lendemain... Non, il tue peut-être pas des gens, mais on va dire qu'il devient un peu... Un peu méchant. Allez, une dernière mission là. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Je sais pas. Enfin, il est 16h. Ça fait depuis ce matin que j'attends. Donc ça doit faire plus de 10 minutes. J'en ai marre. Et la mission qu'on a ratée tout à l'heure est de retour. En plus, c'est cool. D'accord, c'est pas cool que j'ai cassé le lampadaire, mais j'ai un vélo. Cette fois-ci, on va la réussir. Ouais, depuis tout à l'heure, en fait, y'a rien qui est arrivé. Ça doit être que des missions à réaliser le soir. Et donc, du coup, j'ai erré dans les rues telle. Un petit collégien perdu qui n'avait pas de quête principale à réaliser. Et autant vous dire que je me suis bien amusé. Donc j'ai fait des sauts périlleux, j'ai essayé d'en faire un. J'ai raté, donc c'est pour ça que j'ai repris devant l'école. Non, j'en ai réussi deux. Sinon, je me suis vautré lamentablement plusieurs fois. Et j'ai fait re, on se retrouve. J'ai fait le saut périlleux, j'ai raté, j'ai fait bon, c'est pas grave, je vais pas m'humilier. J'ai repris devant l'entrée de l'école. Voilà. Intéressant, hein. Donc cette fois-ci, on fait pas n'importe quoi, on se fait pas attraper par la police ou attraper par. C'était un blouson noir, je crois. Maintenant, il devrait nous aimer un petit peu plus. Mon vélo! Et on l'a réussi. Donc là, c'est vrai, je pourrais vous passer au montage. Youhou! Headshot! Raté. Je pourrais vous passer au montage ça, mais bon, je vous ai déjà passé quelques trucs. Donc autant vous faire partager quand même. Ah, il est encore là. Ah, ça devait être scripté, je pense, pour qu'il nous laisse son vélo. Allez, on va la refaire. Je vous enlève des passages des fois qui. Pour pas que ça vous ennuie de revoir la même chose. Ah ouais, non, mais en fait, il m'aime pas lui. Dégage! En plus, devant le policier! Oh là. Ils sont pas cool! Ah bah oui, je suis bête moi, dégage. C'est parce que l'autre... Mais c'est pas tranquille. L'autre, il... c'est moi qui descends en premier. Allez, regardez. Descends. Descends. Hé hé. La puissance du truc bleu, parce que des fois c'est jaune. Ouais, puisqu'il nous a écouté l'autre. Le blouson noir, il nous a... C'était qui? Non, c'était pas Johnny qu'on avait sauvé. Mais il nous a écouté.
Et c'est pour ça qu'il veut nous empêcher d'avoir un rencard, même si c'est pas nous, avec le professeur. Non. Non, je veux... Non, non. Non, je veux... Laissez-moi. Dégage. Mais... En fait, eux, c'est un problème, mais tant que j'ai pas la police ou les surveillants, ça devrait aller. Parce que là, j'ai encore de la vie. Donc, faut juste que je me contrôle et que je fasse pas de mal aux gens. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Non, faut se contrôler. Tuer, tuer, tuer. Tiens. Dégage. Oh. D'accord, il est parti dans le décor. Je mets un coup de poing, il a disparu. Et je peux lancer des yeux en même temps aussi. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, nous sommes des... Tic. Tic. Bah, si je reste appuyé... Tiens. Tic. Non, poussez-vous, je veux pas vous faire de mal, les gens. Sinon, après, je vais avoir des problèmes encore. Hop. Plus mon vélo. Rebonjour, je reviens... Oh, l'autre, il est rentré. Il y avait les policiers derrière moi. Hello. Il y avait les policiers derrière moi, ça m'inquiète. Attendez, je vais courir à fond, je vais tourner en rond, voir s'ils sont pas là. Suspense. Non, c'est bon. Enfin, peut-être qu'ils sont... Hé hé, t'es descendu, bah pas moi. Wouhou. Dérapage. Oh, cascade de folie avec le mec. Ils ont tout cassé. Ah, y'a mon chat. Il dit qu'il a faim, ça va être l'heure d'arrêter la... L'épisode 19. Sinon après il va me battre encore. C'est lui le chef de la maison. Aidez-moi s'il vous plaît. Je me fais maltraiter par mon chat. S'il entend ce message d'aide, je risque pas de revenir entier. Il n'y aura pas d'autres épisodes par la suite. Aidez-moi. Non, non. Cette fois-ci tu me... Oh regardez les faits de soleil, c'est bluffant. Non, non, il y a la caméra. Comme tout à l'heure quoi. Qui se rapproche. Ouais, t'es descendu en douille. Vite. Ah. Dégagez. Dégagez. Dégage. J'ai. Ouh. Non. Dégage. Youpi. Vite, vite. En plus, il y a les surveillants. Non, s'ils nous trollent encore une fois. Ils vont pas nous le troller à chaque épisode. Ouais. Il y a le chat qui... Il en peut plus et qui est là. Non, c'est pas l'heure de manger. Non, ça va, j'ai un chat qui réclame pas à manger. C'est rare. Que j'ai des amis qui ont des chats, les seuls trucs qu'ils demandent c'est à manger et après le reste ils s'en fichent. Le mien ça va. Je vous raconte ma vie. C'est juste que je ferme la porte pour pas qu'il dérange tout. Here you go. Oh Jimmy, what took you so long? Thanks. No problem. Oh man, I can't believe this. My first time with a teacher. Oh man, this is gonna be great. Hey, Jimmy. What are you doing here? Nothing. What are you doing here? Ah, well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, she's asked me, of all people, she, can you believe? She's asked me on a date. Wait, she asked you? I think you're mistaken. What? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, yes, I am sure. Well, okay then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing? Désolé pour le chat si vous l'entendez. This boy is an angel. He's been magnificent. Uh-huh. And he is so cute. Cute. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Miss Phillips. Ah. Man. Eh ouais, Jimmy. C'est la vie. Non, tu veux... Il veut se battre avec moi. Récompense $50. Yeah. Bon, bah, on va sauvegarder et on va s'arrêter là pour l'épisode 19. Et le truc des casiers dont je vous parlais tout à l'heure, vu que je vous ai pas montré depuis 2 ans. Voilà, pour se cacher. Et je pensais que la porte, c'était tout à l'heure qu'elle allait se refermer. Et aussi... Oui. Sert à rien, mais c'est excellent. Voilà. Donc on va... Ah, il y a une autre mission. D'accord. Ok. On va aller sauvegarder. Et après, bah, dans quelques jours pour l'épisode 20 de notre aventure. Ouais, tout à l'heure, j'ai attendu 10 minutes, quoi.
Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que je peux aller... je peux retourner dans le lit pour faire passer le temps. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'à 10h, il y aura une nouvelle mission. Peut-être qu'à 11h, il y aura une nouvelle mission. Peut-être que... Et c'est jamais arrivé. Allez, descends. Mais c'est arrivé que tard. J'ai pas eu de chance. Bon, je me suis un peu entraîné avec le vélo comme ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, sauvegardons. Ou alors, on va peut-être changer de tenue un peu, parce que... Comme ça, on sera bien pour le prochain épisode. Blouson marron. Avec son slip. T-shirt musclé. Ah, c'est dégueu. Chemise squelette. Ouais, mais j'ai pas... Ninja. On va mettre un truc... classique, j'ai pas envie d'un truc trop loufoque. N'importe quoi, attendez. C'était quoi le truc de l'école? On va mettre ça. Jambes. On va mettre un pantalon quand même. Jean de sport, c'est le classique en fait. On va lui mettre quand même des chaussures. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le Jimmy classique. Et le Jimmy classique, il va sauvegarder. Et maintenant, rendez-vous pour l'épisode 20 dans quelques jours. Ding, ding, ding. Ouais, rendez-vous pour l'épisode 20. Là, on pourra dormir la prochaine fois, mais on n'ira pas dormir parce que sinon, je vais me retrouver encore bloqué avec aucune mission à faire. Et on ira faire la mission qui était dans l'école. Donc, encore une fois, merci vraiment à tous. Hein. Pardon. Ouais, merci vraiment encore à tous pour vos messages. Et je suis content que ça vous plaise malgré le temps que j'ai pris. Oh, il l'a rattrapé. C'est marrant ça. Allez, salut tout le monde. À plus tard.